L'avion militaire congolais Sukhoi 25 a été visé par des tirs. Notre correspondant Yannick Warangazi nous en parle. Bonjour, monsieur Yannick Warangazi. Bonjour à vous, Raphaël, et bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs. Alors, les habitants de Goma nous signalent qu'il y a eu des tirs visés sur l'avion militaire congolais, l'avion de chasse. Sukhoi 25. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, c'est depuis 16 heures que deux avions de chasse congolais, bien évidemment, circulent dans les airs ici de la ville de Goma. Vous le savez, depuis le matin, les affrontements sont signalés ici au nord de Kivu. Alors, on ne savait pas encore, vous le savez, cette stratégie mise en place par l'armée, on ne savait pas si ces avions de chasse étaient venus à la rescousse des forces armées de la RDC. Mais les avions étaient visibles depuis 16 heures dans les airs ici à ville de Goma. Quelques minutes après, nous avons vu une bombe venue du côté rwandais, une bombe qui a visé un avion de chasse congolais. Et heureusement pour la République démocratique du Congo, cette bombe n'a pas pu trouver cet avion. Et vous imaginez, c'était à plein centre-ville de Goma, c'était précisément à Birere, où l'armée rwandaise a tiré sur l'avion congolais. Donc ça a créé forte... C'était aux airs congolais. L'avion était dans les airs ici à Goma et la bombe était venue du Rwanda. La bombe était venue du Rwanda. D'accord. Et malheureusement pour les Rwandais, la bombe n'a pas pu trouver cet avion de chasse congolais. Merci, monsieur Yannick Warangazi. Vas-y, allez-y. Peut-être quelque chose à ajouter. La situation en question a créé une psychose généralisée dans les chefs des habitants à des Goma du centre-ville. C'était vraiment une panique généralisée. Moi-même, je suis sur terrain, je vis comment les gens voulaient fuir, puisque les gens ne comprenaient pas. Ils ont seulement vu une bombe venir du côté rwandais et une bombe, malheureusement, qui n'a pas pu trouver, qui n'a pas pu atteindre.